On annonce Harry Kane du côté du Bayern de Munich. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Harry Kane, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, les gars, Harry Kane, on l'annonce du côté du Bayern de Munich. On l'annonce du côté du PSG. Mais pour le coup, ici, nous, on va s'attarder le Bayern de Munich, les gars. Harry Kane, il a 29 ans, bientôt 30 ans. C'est un mec qui marque environ 20 à 30 buts quasiment toutes les saisons. Donc, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Et c'est dommage de voir ce mec quasiment finir sa carrière sans remporter de trophée majeur. Maintenant, donc, s'il veut remporter des trophées majeurs, il doit aller dans un club plus huppé. À l'occurrence, ici, pour moi, le Bayern de Munich, c'est le club idéal pour lui. C'est un club dont les Anglais se sentent. Je veux parler plutôt du championnat. Le championnat allemand, c'est un championnat dont les Anglais sont beaucoup plus à l'aise. S'il part en Allemagne, je trouve qu'il va beaucoup plus s'intégrer que s'il part au PSG, autant pour moi. Il va beaucoup plus s'intégrer. Je trouve que c'est un mec qui peut beaucoup apporter au Bayern. Je trouve que s'il part au Bayern de Munich, son jeu va correspondre parce que c'est un mec qui décroche beaucoup, il décroche, il marque des buts, il participe au jeu, c'est un peu comme Benzema, les gars. C'est un mec qui décroche beaucoup, énormément. Pour moi, ça sera le remplaçant idéal de Robert Lewandowski parce qu'il faut le dire, lorsque Lewandowski est parti, le Bayern a eu du mal, ils ont eu tous les problèmes du monde pour remplacer Lewandowski. Ils ont essayé Mané, ça n'a pas marché. Ils ont essayé Choupo-Moting, ça a marché, mais sauf que Choupo-Moting, vers la fin de saison, il s'est blessé. Du coup, donc, le Bayern a eu du mal un peu en fin de saison pour compenser la blessure de Choupo-Moting. Donc, je trouve que un Harry Kane peut vraiment faire l'affaire, les gars. Il peut vraiment faire l'affaire. Il marque des buts, il décroche. Il est utile au jeu. Et en plus, les gars, pour moi, il va remporter les trophées. Parce que pour moi, ça me choque de voir un joueur avec un tel talent finir sa carrière sans quasiment rien remporter. Maintenant donc, Tottenham est en train de tout faire pour vouloir le conserver. La preuve en est que Tottenham lui propose un salaire mirobolant, les gars. On lui propose un salaire hors norme. Est-ce qu'il va accepter la proposition de Tottenham? J'en doute très fort parce que il faut le dire, c'est aussi un mec qui veut déjà aussi quitter Tottenham. Il veut aller voir ailleurs. Et pour moi, le Bayern, c'est vraiment le club idéal pour lui. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Harry Kane, c'est un bon choix pour les deux parties? Moi, je pense que c'est un bon choix pour les deux parties. Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. De toute façon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!